Bonjour, je me suis décidée finalement à faire aussi une vidéo d'apprentissage pour la voix de soprano dans Les Anges dans nos campagnes, bien qu'elle soit très connue. L'occasion pour moi de vous rappeler les deux conseils que j'ai donnés pour la voix d'alto. Au refrain dans les Gloria, faire noter à vos choristes des respirations à des endroits différents de la partition, quitte même à ce qu'elles sautent une ou deux notes pour respirer, afin qu'on ait l'impression, en écoutant l'ensemble, que tout est chanté d'une seule traite, puisque vos choristes ne respireront pas toutes au même endroit. Après chaque refrain, faire une pause, par exemple instrumentale, ou un silence si vous êtes a cappella, afin que les choristes aient le temps de reposer leur souffle avant d'enchaîner sur le couplet suivant. Sur les In Excelsis Deo, j'ai proposé deux mélodies, soit la mélodie principale qui est déjà chantée par les alti, mais qui doit ressortir, c'est celle que chantera l'assemblée, et c'est celle que chanteront la plupart de vos sopranes. Il y a aussi donc un petit contrechant, une autre note proposée, à la tierce plus aiguë, qui est à réserver à quelques sopranes dont le timbre de voix est joli dans l'aigu. Pour cette harmonisation, j'étais limitée à trois pupitres, c'est pour ça qu'au soprano et à la basse, j'ai proposé par endroit deux choix de notes à partager entre les choristes du pupitre, afin que l'harmonie soit moins pauvre, en particulier si vous chantez sans accompagnement. Ce contrechant aigu à la tierce soprano apporte beaucoup, mais il doit rester discret et joli. Sur l'enregistrement que vous allez entendre maintenant, c'est moi qui le chante, mais j'ai mis ma voix en retrait par rapport à celle de Mallory et Anaïs, qui chantent la voix principale et qu'on entend plus en avant. Le contrechant aigu sonne comme des harmoniques, pas vraiment comme une deuxième voix, et c'est l'effet recherché. Vous pouvez toujours télécharger la partition gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo ou en la retrouvant sur le site chantdeglise.fr avec les autres fichiers de travail. Sur ce, j'arrête de bavarder, c'est maintenant à vous de travailler.